Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui c'est le journal créatif de la semaine. Nous en sommes au numéro 43. Voilà, donc je vous fais un journal créatif chaque semaine, et dans ce journal créatif vous retrouvez tout ce que j'ai pu faire dans la semaine en broderie, en tricot, en crochet ou tout autre loisir si j'en avais fait d'autres. Voilà. D'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et nouvelles sur la chaîne. Chaque semaine, il y en a, donc c'est superbe. J'espère que la chaîne vous plaît, que les vidéos vous plaisent. Voilà, n'hésitez pas de dire en commentaire ce que vous en pensez, que ce soit en bien ou pas, hein. Même les critiques sont toujours constructives, donc n'hésitez pas. Tant que ça reste dans la politesse, la bienveillance, voilà. Alors, cette semaine, je n'ai pas fait beaucoup de broderies, mais j'ai fait pas mal de petites croix. alors, je vais déjà vous récapituler ce que j'avais prévu normalement de faire ou ce que les roues m'avaient choisi de faire. En estampé. Je devais faire le cheval et le cerf, plus la fleur, mais ça, la fleur, c'est chaque semaine. En même temps, le Stitchmania, bah, ça y est, c'est terminé. Ça s'est terminé bah, hier. Bon, moi, il est... à la fin, il est parti à la trappe, hein, Il n'y avait plus de suivi du tout du Stitchmania. Mais en fin de compte, c'est vrai que c'est un événement que j'ai du mal à suivre. Voilà, j'ai déjà mes broderies, mes tricots, tout ça. Donc, c'est vrai que j'ai du mal à suivre un tel événement. Bon, déjà, je ne pourrais pas le suivre comme les Américaines le font, c'est-à-dire... 31 nouvelles broderies sur le mois, ou alors ça pouvait être 24 puisqu'on était en 2024. Moi, ça, de cette façon là c'est impossible. Je ne peux pas commencer 31 broderies, voilà. Donc bon, au début j'avais fait un petit peu, à peu près bien suivi. Moi, je faisais, j'avais prévu 5 nouveautés,
J'ai mis mon papier, je ne sais plus, j'avais un papier, bon, c'est pas grave. J'avais prévu 5 nouveautés, j'avais prévu de ressortir mes 2 UFO, donc c'est des ouvrages qui sont mis un peu de côté. Et j'avais prévu bah, mes ouvrages du moment à les continuer. Mais bon, c'est un peu parti en cacahuète. Voilà. Je ne sais pas si l'année prochaine je le ferai. Bon, déjà, on verra ce que l'année prochaine nous dira. Mais je ne pense pas que je le ferai. Je ne sais pas. On verra. Alors, la fin du mois arrivant, j'avais prévu de faire des avances sur mes broderies au maximum pour... comment pour terminer mes étapes du mois si je le pouvais ou avancer beaucoup beaucoup beaucoup. Donc ça je voulais le faire sur le sale mystère. Bon, ce n'est plus un sale puisqu'il est terminé, mais c'était le fan. Donc ça c'était un sale mystère que Sabine de la boutique Poussière d'Étoiles organisait. Ensuite, je devais finir mon étape du salle que Julia organise avec un modèle All Forest, le Punky of Autumn. Terminer mon étape du mois également du salle Alice au Pays des Merveilles. C'est un modèle All Forest aussi gratuit. Et ça, c'est un salle que moi, j'organise sur mon groupe. Ensuite le colibri, alors avancer un maximum puisque là je suis très très en retard. Donc ça c'est un salle que j'organise sur mon groupe avec un modèle de la boutique Poussière d'Étoiles. Ensuite terminer mon étape 2 des ours de Noël, toujours modèle All Forest. On y a beaucoup de All Forest. Excusez-moi, désolée, mes ours de Noël, donc terminer l'étape. Ensuite, j'avais mis entre parenthèses le Bouddha, donc de Poussière d'Étoiles, et mon salle du Nouvel An. Voilà, dans le Stitch Mania. J'avais prévu, ah oui, de broder sur l'aquarium de Lucas S. Et mon Caroline Manning, voilà, j'ai plus le titre en tête, mais on va le voir tout à l'heure. Et dans les HAED, je voulais avancer mon HAED Hayden Arbor, c'est-à-dire le paysage, et ma japonaise, voilà. Et ensuite, avancer mes tricots. Oh, ben alors, j'ai une fuite. Alors, désolée, j'ai le gilet jusqu'en haut. J'ai froid. Nous sommes le 1er juin. J'ai froid. Il pleut. Il pleut. Il pleut. Et il pleut. J'espère que cet été, si on a un été, qu'on ne viendra pas nous parler de sécheresse. Bon, surtout dans ma région. Hein, les autres régions, bon, je sais qu'il pleut aussi, mais peut-être moins que chez nous. Nous, dans le nord, il pleut bien. Et la preuve, c'est que, je ne sais plus, je vous en avais parlé lors d'une vidéo. Nous, quand l'hiver est terminé, on fait un grand nettoyage de la cour. Au Karcher, parce que nous on a beaucoup beaucoup de mousse de verre qui viennent se déposer sur la dalle de béton pendant l'hiver, parce que bah, l'hiver c'est humide, voilà, et normalement on ne le refait que
une fois l'été passé pour dire de bien nettoyer, mais voilà, pour que ce soit propre pour l'hiver. Donc on fait 2 fois par an. Ben oui. Là, on attend qu'il arrête de pleuvoir ben, pour refaire le karcher parce que c'est plein de mousse. La dalle de béton est redevenue verte. Voilà. Bon. Au moins, je n'ai pas besoin d'arroser mes plantes et mes fleurs au jardin. Voilà, c'est déjà ça. J'économise là-dessus. Alors, le déroulé de la vidéo, ça va être un peu comme d'habitude. Je vais vous montrer mes avancées. Je vais vous montrer s'il y a des nouveautés que j'ai commencées. Vous l'ai dit, j'ai froid. Oui, donc je vous montre mes avancées, mais si j'ai commencé des nouveautés, et on va faire également le tirage au sort avec les roues pour savoir qu'est-ce que je vais broder la semaine prochaine. Et en dernier, je vais vous montrer l'avancée de mes tricots et de ma couverture, oui, ma couverture météo. Est-ce que j'ai quelque autre chose à vous montrer? Non, j'ai pas d'achat. Tant mieux. Enfin, les achats, il y en avait, mais vous les avez vus. Je vous ai fait des vidéos spécifiques pour les déballages de commandes. Donc, si vous ne les avez pas vus, je vous retournais un petit peu en arrière. Il y a 4-5 vidéos avec mes achats. Oui, je crois que c'est tout. Ah, bah voilà, je me disais, elle n'était pas encore arrivée. Hein? Tu n'avais pas encore dit bonjour? Dis bonjour. Bonjour. Bon, on va attendre. Hein? Ça y est, la balade est finie. Oui, voilà. Allez, hop, hop, hop. Non, pas le téléphone. Pas le téléphone. Allez, descends. 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 Voilà. Voilà, Fifi vous a dit bonjour. Enfin, elle est passée. Alors, oui, et j'ai également, je vais vous dire aussi, ah, donc, avant le tricot, si j'ai réussi mon challenge. De point de croix. Donc, alors, j'explique pour les nouveaux. Ça, c'est un truc tout à fait perso, mais si vous avez envie de le faire, faites-le. Je me fais un petit challenge perso chaque semaine. Je me prévois 3000 croix par semaine. Et on voit à la fin à la fin que je vous ai présenté les broderies, on voit si j'ai réussi à faire 3000 croix, plus ou moins. Voilà. Donc, si vous avez envie de le faire, allez-y, faites-le. Mais vous n'êtes peut-être pas obligé de vous faire 3000 croix. Vous pouvez vous faire 1000 croix, 2000, 3000, 4000. Allez-y, vous voyez par rapport à ce que vous brodez d'habitude. Et bah, vous faites ce petit challenge. Voilà, et en fin de semaine, vous voyez si vous avez réussi à faire le nombre de croix que vous aviez prévu. Voilà. Allez, on va commencer. Ah oui, ça c'est. Alors, je vais commencer par ça. Alors, je n'ai pas fini. Je suis en train de mettre à jour mon carnet de broderie. Bon, il n'est pas fini. J'ai des images à imprimer pour mettre dedans. Mais alors là, c'est les anciennes. Ça, c'est un ancien aussi. Enfin, d'ailleurs, que je mette une image sur le. Vous avez rappelé le dragon. Dragon White Book. Donc, bon, ce qu'il y a avant, c'est les anciens, mais. Il y en a, toi. Vous voyez, ils sont pas. J'ai pas fini de remplir les renseignements ni tout ça.
Alors, attendez, je vais peut-être vous avancer et vous baisser. Hop. Bon, j'ai toujours pas trouvé de nouveau pied pour l'instant. Alors, ici, j'avais le Hayden Arbor. Donc, c'est le HAED du paysage. Donc, il faut que je rajoute la date quand je l'ai commencé. Il faut que je cherche sur mon Instagram. Quand est-ce que j'ai commencé? Est-ce que je l'avais commencé déjà depuis longtemps? Donc, j'avais marqué la taille, le nombre de couleurs. Donc, c'était 150 couleurs. Et sur quelle toile je le fais? Donc, c'est une étamine 12-6 blanc cassé. Et ça mesure 78 sur 61 cm. Voilà. Et là, il faut que je rajoute la date que j'ai commencé. Bon, le jour où je terminerai. Et puis, la finition, je mettrai également. Donc, ça, c'est pareil pour toutes mes broderies. Ici, j'ai fait le Mini Asian Fantasy 3. Donc, c'est la japonaise. Alors, par contre, là, il faut que je rajoute quand même une petite image pour me rappeler ce que c'est. Donc, elle, je l'avais commencé le 20 mars 2024. Donc, vous voyez, il n'y a pas longtemps. Alors, ici, j'ai pas besoin de mettre d'image. Vous voyez ? J'ai les stickers de Sabine qui représentent la broderie que je suis en train de faire. Alors là, j'ai rien inscrit, mais c'est la grenouille. Donc, il faut que je marque tout, la toile, la taille, le nombre de couleurs, la date où je l'ai commencé. Mais j'ai juste mis les titres, j'ai mis l'image. Là, c'est le colibri, voilà. Donc, c'est les stickers holographiques. Vous les retrouvez dans la boutique de Sabine. Donc, celui-là, je l'ai commencé le 1er mars. Ici, la dame bleue Steampunk. Donc, ça, c'est une broderie. C'est une image que moi, j'avais transformée en grille de broderie. Que je peux comparer à un HAED puisque c'est une couverture totale. Et c'est quand même une très grande broderie. Donc vous voyez là tout, c'est une 425 sur 283, il y a 150 couleurs, et là par contre je le fais sur une Aïda 8. Faut que je mette la date que je l'ai commencé, voilà. Alors les ours de Noël là, pareil, bon, j'ai pas tout mis. Alors ceux-là sont pas bien remplis, mais les décorations sont mises, mais pas. Donc vous voyez, il reste quand même une petite place à chaque fois là pour mettre l'image de la broderie. Ici, alors là, c'est j'ai commencé à faire une nouvelle façon. À gauche, je mets l'image de la broderie. Ben, celle-là, vous l'aurez reconnue. Hein. C'est le toast à l'œuf. Alors là, par contre, je n'ai pas retrouvé la date où je l'ai commencé. Il faudra que je cherche sur mon Instagram. Voilà. Donc là, à part la date que j'ai commencé, j'avais tout rempli. Voilà. Je devais déjà vous le montrer la fois dernière et puis j'avais oublié. Ici, The Flowers of Happiness. Donc ça, c'est les petites fleurs. C'est une série de 8 que je fais. Alors là, l'image était trop grande, donc je l'ai pliée. Il y en a 8. Que je suis en train de faire. Donc là, je suis à la 6e. Je vais vous la montrer tout à l'heure, mais vous la connaissez déjà certainement. Et donc là, il me reste que le nombre de couleurs à marquer. J'ai oublié. Je l'avais commencé le 1er avril et je l'avais terminé le 26 avril, celle-là. Mais il faut que je les ai pas encore toutes mises dans le carnet. Là, je n'ai pas mis l'image encore, mais je vais la mettre. Donc, il y aura la photo de la broderie ici. Et là, c'est le Garden Gift de Caroline Manning. Donc, pareil, là, j'ai mis la marque, la taille, la toile. Donc, la toile, c'est une étamine 12.6 fil, couleur bleu canard en 65 sur 65 cm avec 8 couleurs. Et pourquoi j'ai marqué fil étoile là? Je n'utilise pas du fil étoile là. Ah, j'ai fait une bêtise. Bon, ça y est, je me,
Je mettrai du blanc, je corrigerai. Ouais, j'ai fait une. Ah oui, attendez, j'ai fait une bêtise. Bah oui, j'ai fait une grosse bêtise là. Bon, c'est pas grave. Je mettrai du blanc. Je referai ici. Alors, là, c'est un sampler que je fais en duo avec Sonia. Donc là, j'ai mis l'image. Bon, j'ai mis l'image en noir et blanc. Hein. Donc ça, ça vient de la boutique Etsy. Et j'ai juste mis sampler fil étoile, mais il faut que je rajoute le nom. Alors, je le rajouterai là, c'est pas très grave. Je le remettrai là, le titre exact de la broderie. Donc là, c'est en bleu canard. Et je suis en train de regarder. Bah oui, j'ai fait de grosses bêtises là. Bah ouais, Caroline Ménin, j'ai mélangé. Alors, je vous explique. En remplissant mon carnet, j'ai mélanger la broderie Caroline Ménin avec le sampler. C'est pas grave. Je ferai du blanc et puis je remettrai au-dessus. Sans le carnet pour moi. Hein, donc j'ai une tache. C'est rien, c'est un vieux gilet. C'est un vieux gilet que j'ai piqué à Chouchou. Ici, alors ça, c'est celui qu'on a commencé aujourd'hui, que je fais avec le gang des Québécoises. Voilà, le sampler ornament Squirtil. Donc, je vais rajouter l'image. Là, je ne l'ai pas encore mise, il faut que je l'imprime. Et là, pareil, j'ai tout rempli. Donc là, on fait une étape tous les 4 mois, c'est-à-dire 10 cases. Et donc là, j'ai marqué la date de début, commencé le 1er juin. Et voilà, le dernier. Alors là, les deux derniers, il n'y a rien de vraiment fait. Je n'ai même pas décoré encore ni rien. Là, c'est pour la ronron thérapie que je fais avec Céline. Donc, on commençait ici au 1er juin également. Et ici, là, j'ai juste mis le titre. Donc, je vais remplir la page, je vais mettre l'image, tout. C'est pour le Halloween Quaker, pareil, que je fais avec Sonia, donc Diamant Rose. Et les autres, on est 3-4, je crois, à le faire. Donc, voilà. Donc, ça, il faut que je le remplisse. Voilà, ça faisait un petit moment que je voulais vous montrer un peu en détail ce que j'avais fait. Bon, le début de mon carnet n'était pas... Ah, bah, regardez, en 2023, ce que j'avais mis, le Stitch Mania. Alors, le Stitch Mania, j'avais fait 23... j'avais mis 23 broderies. J'en ai pas fait. J'en ai fait 4. Voilà. Voyez. Non, je suis pas très très fan du coup du Stitch Mania. Bah du coup, j'aurais dû l'inscrire dans mon carnet. Ouais, j'aurais dû l'inscrire dans mon carnet, celui de 2024, mais bon, je l'ai pas fait. Voilà. Là, c'est pareil. Celui-là, il faut que je mette l'image. C'est le Norwegian Sampler que je vais décorer ma page, tout ça. Il est terminé. Il faut que je rajoute les dates. Voilà. Mais bon, tout ça sera fait. Donc, je fais mon petit carnet de broderie, voilà, dans un joli carnet de notes que j'ai eu chez Action. Voilà, bah, comme ça, je voulais montrer. Hop, je vous relève. Je ne sais pas si vous faites des carnets de broderie. Dites-le-moi. Est-ce que vous faites un peu le même style que moi? Oh, je vous ai mis très haut. Est-ce que vous faites un peu le même style que moi ou toute autre chose? Voilà, bah, dites-moi. C'est toujours sympa de savoir.
Bon, cette tâche m'énerve. Hop, on va ouvrir le gilet. Et comme ça, on ne verra plus la tâche. Voilà. Allez, je vais vous montrer. Alors, on est déjà à 25 minutes. On ne sait pas combien de temps la vidéo durera, hein, mais je sais que vous aimez bien quand c'est très long. Alors, on va commencer par ici. Alors, il faut que je cherche. Bon, tant pis, je les montre, je les mets pas dans l'ordre. Je vais prendre au fur et à mesure. Et je les remettrai après dans mon sac. Alors, ici. J'ai fini mon étape. J'ai eu du mal. J'ai cru que je n'allais pas la finir. Hop, oula. Voilà. J'ai terminé l'étape 2 de mes ours de Noël. Donc ça, c'est papy, hein. Le papy ours. Voilà. Je vous remettrai une photo du premier ours. Voilà. Donc là, maintenant, l'étape de ce mois-ci, ça va être ici, en haut. Voilà, à côté de celui-là. Hop. On va faire le troisième ours, donc par ici. Donc, il faudra que je bouge mon tambour, bien sûr. Mais ça, c'est... je l'avais laissé comme ça, c'était pour vous montrer déjà. Ici, c'est une toile étamine 12,6 fils, teinte émain, couleur jean. Voilà. Et c'était une toile de chez Tom et Lily Création. Voilà. J'aime beaucoup ce papy ours. Il est très joli. Alors, papy ours. Il est où? Alors, papy ours. J'ai fait en une fois ou deux fois? Non, je l'ai fait en deux fois, papy ours. C'est bien ce qui me semblait. J'ai fait une première fois mardi. 650 croix. Et vendredi, donc, je l'ai terminé. J'ai fait 300 croix. Ce qui fait que j'ai fait 950 croix cette semaine. On dirait pas, hein, mais sur ce nounours. Voilà. Je suis contente, j'ai réussi à terminer l'étape juste à temps. J'ai terminé ma guerre. Hop. Ensuite, alors, je vais mettre comme ça. Je fais mon petit ménage en même temps. Hop. Oui. Alors, j'ai avancé. J'ai avancé. Mes carottes. Eh oui. Alors, j'ai travaillé sur celle-ci. Donc là, il y a encore une feuille à faire, hein, puis à finir des petits bouts par-ci, par-là. Mais j'ai bien avancé mes carottes, mes feuilles de carottes. Je suis contente. Je suis contente. J'étais bien partie. J'étais bien partie pour la broder. Je ne me suis pas perdue dans mon feuillage cette fois-ci. Non, ça a été cool. Franchement, là, cette fois-ci, ça a été cool. Mais je suis contente, j'ai bien avancé, vous voyez. Donc là, il y a encore un peu de feuillage à faire. Celui-là, il y en a encore un tout petit peu, peut-être ici, si je me rappelle. Voilà, celle-là, elle est pour ainsi dire, non, celle-là, elle est finie là en haut, donc ouais, il reste là.
Il me reste une feuille entière à faire ici. Et les feuilles qui sont là, je crois qu'il manque quelques petits points à rajouter. Voilà, les carottes. Les carottes. Hop. Alors, les carottes, j'ai fait, je compte. Alors, plus ou moins, parce que là, je l'ai fait, j'ai griffonne sur papier. Il y a plus ou moins 300 croix. Voilà, pour les carottes. Ça, c'est quoi? Oui. Alors, ici. C'est mon sal de Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Donc, je suis à jour sur mon étape. Je voulais faire ces deux vases et la frise. Donc, c'est fait. Alors, le prochain morceau, c'est... Alors, je crois que le prochain morceau va se trouver ici à peu près. Enfin, on verra, je peux le faire n'importe où, hein. Mais j'essaye d'aller en suivant des pages. Alors, je vous dis ça. Le Alice, je l'ai mis où? Ah, mince. Alors, Alice, où es-tu? Mamas, j'ai mis où mon Alice? J'ai pas effacé quand même. Ce serait ballot. Ah, mais non, je suis bête. Non, il n'est pas sur la tablette, c'est vrai. Je ne l'ai pas là non plus. Alors. C'est vrai que sur la tablette, il ne rentre pas. Alors, All Forest, ici. Ah, j'ai pas l'image. Mince, je n'ai pas l'image. Alors, c'est rien. Je vais regarder. Bah, zut alors. Je trouve plus. Je ne le trouve plus. Il y a tellement de choses dans ma tablette qu'il va falloir que je fasse un tri de toute façon. Parce que là, il y a des grilles de broderie que je ne ferai jamais. Il y a des choses que j'ai mis dedans mais que je n'ai pas envie de faire du tout. Alors, Alice, où es-tu? Ah, voilà. Alors, c'est celui-là. Bien sûr. Ah, voilà. Même à l'image, elle ne se met pas. Bon, alors, moi, cette partie-là est faite. Cette partie-là est faite. Oui, donc c'est bien ça. Alors, bon, ce sera la grille, hein, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est une grille gratuite. Voilà, ça va être le lapin avec le petit bitonio, là. Le... Et il va y avoir également la frise, ici en haut. Voilà. Voilà, il y aura ça. Et donc ça, ça va se trouver. Alors je vous montre. Ici. Alors vous voyez, moi j'ai déjà fait tout ça. Voilà. Et du coup, le lapin, il va être là avec son petit arbre là et la frise tout du long. Voilà, ça c'est la partie que je vais faire ici au mois de juin.
Donc, ça va, c'est bien. Sur l'image. Voilà. Alors, sur l'image, ben, il est où le lapin? Ah oui, il est là. On ne le voit pas bien là. Alors, voilà l'image. Et vous voyez, le lapin, il est là. Alors, sur cette toile-là, on ne peut pas agrandir sur un forest. Vous voyez, sur cette toile-là, le lapin, on ne le voit pas bien en blanc. Donc, moi, sur ma toile verte, ça devrait aller beaucoup mieux. Voilà, vous voyez, là-dessus, le blanc ressortira beaucoup mieux. Là, bon, vous en voyez un petit bout de blanc, là, vous voyez, parce qu'il y a un bouquet de fleurs qui est là. Et vous voyez, là, ça ressort déjà mieux sur le vert. Donc, ça devrait aller. Mais très agréable à faire. Très sympa. Donc, un petit peu à la fois. Bah, ça avance. Hein. Donc, on fait un peu page par page. On fait en moyenne 1000 croix. On fait 1000 croix pour... par mois, voilà. Alors, combien j'ai fait là? J'ai pas marqué. Si, j'ai dû marquer quelque part. Ah, voilà. Ouais, plus ou moins 250 croix. Ensuite, ça c'est quoi? Oui. Ah, vous voyez, j'ai bien avancé sur mes ouvrages. J'ai réussi à terminer des étapes. Donc, je suis contente. Et ici, alors là, je suis sur la dernière étape. Ça y est, je suis arrivée à la dernière étape. Je suis contente. Bon, elle n'est pas finie, mais je suis en train de broder. De broder la dernière étape, voilà, de ce joli fan. Alors là, il y a le début de son oreille, hein, vous voyez, hop. Je suis très très contente. J'ai rattrapé mon retard, enfin, je suis toujours en retard puisque les autres ont terminé depuis longtemps, mais là, je suis contente, j'ai vraiment bien 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 avancé. Donc, il me reste... Alors, ça fait à peu près ça, voilà. Ici, puis il y a le reste de sa tête, donc, qui fait là, voilà. Donc, ça, je ne sais pas combien de points il me reste à faire, mais ça devrait, je pense, en deux fois, si je bosse bien, en deux fois, je pourrais très certainement le terminer. Voilà, mais je suis vraiment contente. En plus, il est très très beau. On commence à voir ses yeux. Et alors, le modèle, c'est ça. Oui, voilà. Donc, c'est un modèle de chez Poussière d'Étoiles. Ce modèle-là, maintenant, vous pouvez le retrouver dans la boutique. Voilà. Si vous avez envie de le faire, on le retrouve dans la boutique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Ben, pas grand chose. Donc, il est vraiment très agréable à faire et le résultat est très joli. Alors, ce sera. Alors, j'ai plusieurs broderies de Sabine hein, qui sont en cours. Ce sera la deuxième que je terminerai complètement. Alors que j'en ai une, deux, trois, quatre. Je dois en avoir quatre en cours, en comptant celle-là. Mais voilà. J'espère que... Alors, celle-ci, j'ai fait en... Alors, j'ai fait que dimanche. J'ai vraiment beaucoup avancé que dimanche. J'ai fait 296 croix plus 331, ce qui fait 627 croix en tout. Voilà. J'ai fait 627 croix.
On ne dirait pas, mais elles sont faites. Ouais, c'est ça qu'il y a quand on dit le nombre de croix. C'est pour ça que moi, je compte mes croix aussi. Parce qu'on a l'impression de ne pas avoir fait grand-chose. Mais quand on compte ses croix, on se dit, ah bah ouais, quand même, j'ai bien avancé, j'ai bien bossé. Ensuite, ça c'est quoi? Non, ça non. Oui, celle-ci. Alors, pareil, j'ai terminé l'étape du mois. L'étape du mois, c'est il faut faire 1000 croix par mois. Je les ai faites avec du plus. J'ai dépassé. Donc, j'ai fait en tout. Enfin, j'ai fait. Sur cette session de cette semaine, hein, je parle, j'ai fait 366 croix. Et donc là on est au 8e mois si je ne me trompe pas, donc ça fait 8000 croix, mais j'en ai fait 8117. Voilà, j'ai dépassé de 117 croix cette semaine mon objectif du mois. Alors j'ai fait le renard ici, voilà le petit renard. Ouais, donc ce renard fait 366 croix. On dirait pas, hein, mais si. Alors, toujours aussi agréable à faire. Bon, j'ai hâte de la terminer maintenant. Il faudrait que j'essaye de mettre un petit coup en plus, mais il faut que je cherche dans ma... Je vous l'avais déjà dit la dernière fois. Il faut que je cherche dans ma réserve de fil, le fil vert. Parce que là, je suis en panne. Donc, il faut que je cherche après le fil vert. Et j'aurais bien accéléré pour qu'il soit terminé. Parce que là, j'en suis à environ 65%. Voilà, donc il reste 35% à faire. Voilà. Mais vraiment très très agréable. C'est vrai que celle-là, au début, avant de la commencer, j'ai beaucoup hésité pour la faire. Et puis, bah, quand je m'y suis mise, j'ai dit, oh, bon, oui, elle est vraiment bien. Voilà. Est-ce que dans ce... non, alors, dans ce sac, là, je vous montre par sac, hein, pour l'instant... alors, est-ce que j'ai fait? Je vous ai montré Alice au Pays des Merveilles. Je vous ai montré le sale mystère. Les ours de Noël. Ça, c'est un grand, c'est après. Je vous ai montré les carottes. Je vous ai montré le sale de Julia, Old Forest. C'est ce qu'on vient de voir. Ouais, pour ce sac, c'est tout. Alors, dans ce sac, c'est celui-là, dans ce sac, je n'ai pas fait cette semaine mon Bouddha. Voilà, alors, je vous le remontre pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un modèle gratuit de chez Poussière d'Étoiles. Donc, voilà, cette semaine, j'y ai pas touché. Hop. Allez, qu'est-ce que je n'ai pas fait cette semaine? Alors, attendez, je suis en train de... Bon, il ne veut pas se fermer. Ah, voilà. je n'ai pas travaillé sur... Ah oui, sur mon salle du Nouvel An. Mais je vous avais montré la dernière fois, hein, j'avais réussi à terminer l'étape 3 et commencer l'étape 4, alors que aujourd'hui,
On commence l'étape 6, hein. Donc, j'ai un tout petit peu de retard, mais bon, c'est rien, c'est ma petite touche perso, hein. Voilà, donc j'avais terminé l'étape 3 et j'avais commencé l'étape 4. Voilà. Donc ça, pour ceux qui n'ont pas encore vu, c'est ça. Voilà, c'est un modèle de chez Riolis. Donc c'est l'oiseau là avec le chat qui papote derrière la fenêtre. Voilà. Et il est très sympa à faire. Hein. C'est moi qui a pris beaucoup de retard. Mais il est très très sympa à faire. Alors, les fils Riolis, je rappelle que c'est des fils moitié laine, moitié acrylique. Voilà. Pas acrylique. Attendez, j'ai un doute. Il y a de la laine, ça c'est sûr. Est-ce qu'ils me le disent là-dessus? Je ne sais plus. Si, si, c'est ça, laine et acrylique. Laine et acrylique. Voilà. J'avais un doute. Vous voyez, c'est ça. Ce sont des cartonnettes comme ça. Alors, vous voyez, c'est un petit peu floufi. Alors, ça plaît et ça plaît pas. C'est vrai qu'il y a les deux avis pour ces fils-là. Il y en a qui n'aiment pas du tout. Ça se comprend. Moi, j'aime. Voilà. Moi, j'aime bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Ah oui, mon colibri. Oh, lui, il prend un retard monstre. Mais bon. Mon colibri. Dans quel sens? Bon, dans ce sens-là. Le voilà. Alors, à partir d'aujourd'hui, il commence l'étape 4. Moi, je suis encore sur la. Ben là, c'est la 1. J'ai commencé la 3 ici. Et la 2 est commencée aussi. Du coup, je fais un peu les 3 en même temps pour essayer de rattraper mon retard. Voilà. Mais là, à partir d'aujourd'hui, les filles font l'étape 4. Mais bon, comme je vous le dis assez souvent, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Donc, comme c'est moi qui l'organise, ben, voilà, je devrais montrer l'exemple. Mais... Et alors, la dernière fois, je l'avais avancé, mais pas cette fois-ci. Cette semaine, je ne l'ai pas travaillé. C'était ma grenouille, voilà. Donc, la grenouille, c'est pareil, c'est un modèle de chez Poussière d'Étoile. Voilà, c'est un modèle payant, celui-là. Il est très, très beau. Mais pareil, j'ai plus grand-chose. Enfin, j'ai plus grand-chose. Façon de parler. Il doit me rester aussi à environ 30-35% à faire dessus. Donc, voilà. Bon, bah pour ce sac-là, c'est tout. Donc, on va tout remettre dedans. Je me recule un petit peu. Voilà. Donc, ce sac-là, j'ai terminé. J'en mets dedans, hein, je vous assure. Je ne regrette pas ce sac. Parce que là, je peux vraiment en mettre beaucoup dedans. Bien m'en reprendre un de sac comme ça parce que il est vraiment top. Bon, j'ai peut-être pas le fermer par-dessus, mais c'est pas grave puisque toutes mes broderies sont dans des pochettes. J'aime bien ces pochettes là aussi.
je les aime beaucoup mieux que les pochettes d'Action. Action, j'ai plein de pochettes du coup qui ne me servent plus à rien. Que je les revende ou que je sais pas, mais voilà. Hop, et tout est dedans. Alors, on va regarder pour faire la roue. Alors, comme le Stitch Mania n'est... Voilà, j'ai un brouillon, donc ça va. Le Stitch Mania est terminé. Cette roue-là, on va l'arrêter. Alors, par contre, attendez, je vais regarder ce qu'il y a dedans. Parce que on va le rajouter, du coup, dans la roue des broderies... hebdomadaire, voilà. Donc celui-là je rajoute, celui-là aussi, celui-là aussi. Je vais vous dire, hein, je vais vous dire. Celui-là, non, il va attendre. Et les UFO, je les mets de côté. On verra plus tard. Et là, des cookies. Alors, j'ai... Donc ça, le Stitch Mania... ah oui, attendez, j'en ai oublié. Je me disais, mince, il n'y en a pas beaucoup. Le fax et voilà, excusez-moi, j'ai tout noté. Donc celui-là je peux l'effacer, Stitch Mania, on n'en a plus besoin. Donc ah, voilà, j'ai de la pub, comment, ah, poubelle, voilà. Si vous voulez, vous perdez cette roulette, oui, ben c'est sûr. Voilà. Maintenant, on va rajouter ici. Voilà, excusez-moi, je... Vous savez le titre qui était marqué « Héron » au lieu de « Broderie point compté » Voilà, je... Ça y est, j'arrive à le changer. Hop. Ouais, j'ai réussi. J'ai réussi. Alors, par contre, maintenant... Alors, je vais peut-être vous mettre un petit peu... Ben non, j'arriverai pas. C'est pas grave. Je vais vous baisser, mais vous verrez à l'envers. Hein. C'est rien. Hop, excusez-moi, je vous fais bouger. Oh là là, vous allez avoir le mal de mer. Oh, il va pas ce pied. Donc, je vais rajouter dessus. Alors, je vais rajouter l'UKS. Voilà. Et ça, c'est pas inscrit. Ça commence bien. Voilà. OK. C'est bon. Par contre, je vais changer la couleur. Voilà, Lucas s'est rajouté. Je rajoute Caroline Menning. OK. Le fox,
Mince, Garden. Oh, on va voir après. Je ne me rappelle plus du nom. Ok. Voilà. Demeure de charme. Donc ça, c'est une broderie de pareil de poussière d'étoiles. C'est une de ses dernières broderies. Alors là, je vais la faire en duo. Alors moi, je l'ai déjà commencé, mais j'ai une de mes petites Québécoises, Amélie, qui m'a demandé pour la faire avec moi. Bah, j'ai dit oui, hein, il n'y a pas de souci, puisque là, moi, je l'avais déjà commencé. Alors par contre, je vais attendre pour qu'elle me rattrape. Caroline, nanana, et le sampler que je fais avec Sonia, que je fais en fil étoile. Donc je vais marquer sampler fil étoile, comme ça je sais ce que ça veut dire. Voilà, bon, je pense que j'ai tout mis. Non, il m'en reste un. Oh, je sais pas si je mets là-dedans ou si je fais une nouvelle catégorie. Est-ce que je fais une nouvelle catégorie pour les duos plutôt? Ça m'embête. Ça m'embête. Je vais mettre la rencontre thérapie. Voilà, ok. Et du coup, j'ai après les broderies avec mon gang des Québécoises. Pour l'instant, je ne les mets pas dedans. Voilà. Bon, là, on est à 11 broderies. Donc, je vous remonte. Coucou. Oh, ah oui, il faut changer de pied. Hein. Alors, là, on va en tirer au sort 4, au moins 4, ouais. Donc ça, c'est les broderies point compté. Petit Fox, voilà. Alors je vais marquer dans mon carnet comme je fais d'habitude. Donc maintenant on est au mois de juin. Alors broderie point compté. Alors le Fox. Ensuite. Bah non, pas demeure de charme tout de suite parce que j'attends qu'elle ait sa grille et tout son matériel. Donc on va en tirer un autre, c'est pas grave, puisque demeure de charme pour l'instant, je vais le laisser de côté. Le sampler fil étoile. Voilà. Ensuite, c'est quoi? Mes carottes. Alors, mes carottes.
Allez, une petite dernière pour la route. Non, il est déjà sorti. Il est déjà sorti. Ah, oh, c'est pas possible. Quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, un autre. Non, mais. Oh, mais rond. Ça fait longtemps, mais rond. Je vais vous les montrer, les hérons, justement, pour ceux qui ne les ont pas encore vus. Alors, mes broderies point comptées, je suis en train de voir que je n'ai pas mis sur la bonne page, mais c'est rien, je rechangerai. Le fox, vous allez le voir. Le sampler fil étoile, vous allez le voir également. Mes carottes, vous les avez vues, c'est le lily point. Et mes hérons, voilà. Mais si je peux, j'en referai d'autres en plus. Hein, mais bon, il y a encore des autres broderies, vous le savez. Hein. Je vais profiter pour vous montrer les hérons, pour celles qui ne connaissent pas. Alors, le héron n'est pas dans le même sac, parce qu'il n'y avait plus de place. C'est pour ça que je vous dis, je voudrais bien retrouver, reprendre un deuxième sac. Alors, ça fait un petit moment. Ça va faire 3 semaines, je crois, que j'ai pas travaillé dessus. Mais le voilà. Donc ça, c'est un modèle de chez Lanart. C'est les hérons bleus de chez Lanart. Donc il y a 2 hérons à broder. Donc là, c'est le premier. Il n'est pas tout à fait terminé, celui-là. Hein. Il faudrait que je le termine comme ça, tranquille. Et là, vous voyez, c'est de la demi-croix ici. Donc, il va y avoir de la demi-croix ici. Donc, ça va aller assez vite. Vous voyez, là, il y en a encore. Donc, je vais terminer ça. Il faut que je termine cette page-là. Et comme ça, ben, je ne sais pas si j'ai le dessin là. Ah non, je n'ai pas le dessin. Mais je vous l'aurais certainement mis en photo. Voilà, alors lui, je ne le fais pas en version pattern keeper, il est en version papier. Donc, c'est un papier. J'ai imprimé parce que voilà le patron original. Vous voyez, ce sont des grandes feuilles comme ça. Hop, je vous en montre une. Vous voyez, ce sont des grandes feuilles comme ça. Et ça c'est celui. Ouais, je suis en train de faire celui-là là. Voilà. Moi, je suis en train de faire celui-là. Et on voit son bec là. Et donc moi je réimprime les pages pour pouvoir les gribouiller. Voilà. Donc j'ai 2, 3, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, il y a 7 pages en tout. Tiens, tu es venu dire bonjour? Voilà. Donc ça, moi, je le réimprime et je gribouille. Alors, gribouillage, au bout d'un moment, je ne sais plus ce que je gribouille. Hein. Dans quel sens, dans celui-là. Au bout d'un moment, je ne sais plus ce que je gribouille. Hein. J'y vois plus rien. Donc là, il faut que je réimprime le reste. Bon, là, je vais terminer comme c'est parce que sinon, je ne vais pas m'y retrouver. Mais je pense que je vais imprimer beaucoup plus grand pour les autres parties. Voilà. Donc, voilà mes ronds.
Bah, du coup, je les sortirai cette semaine. Je suis contente. Ils vont prendre l'air, mes petits hérons. Ils vont prendre l'air. Voilà. Allez, on continue. On continue par quoi? Alors, en estompé. Estompé. Je ne sais plus si j'ai avancé. Je ne crois pas. Je crois que je n'ai pas eu le temps de sortir mes estampés. Non, je vous l'avais montré déjà la semaine dernière. Donc, ça, c'est les cerfs. Et j'avais fait cette partie-là, grise. Non, je ne l'ai pas sorti. Je sortirai cette semaine. Là, demain, en montant la vidéo. Voilà. C'est celui-là. Je ne suis pas pressée hein, pour le faire. Hein, celui-là, ça prend son temps. Et... j'ai perdu mon cheval. Là. Ah, j'ai retrouvé. Alors, je vous explique. Il y a des moments où je ne sais plus où je range mes affaires. J'ai tellement de trucs que des fois, je ne sais plus où je les range. J'avais préparé mes pochettes pour les broderies que je commence là avec le gang des Québécoises. et plus moyen de... Bon, Fifi, allez, bouge, bouge, mais bouge. Plus moyen de remettre la main dessus. Mais alors, j'ai cherché partout, sauf dans mon sac. Donc voilà, je viens de retrouver mes deux pochettes. Bah, du coup, je vais vous en parler tout de suite. Ouais, j'avais préparé les fils, tout. Et le pire, c'est que comme je ne les retrouvais pas, j'ai dit, il faut que je refais mes fils. J'ai dû sortir mon gros stock de fils et puis chercher. Alors que tout est prêt dedans. Ah, c'est pas possible. Quand on n'a pas de tête. Hein. Alors du coup, tous les fils sont là. Enfin, une partie, parce qu'ils n'étaient pas tous là quand même. Et voilà. Je vais y arriver. Voilà. Il y a tout qui se bat. Voilà. Donc, mes fils sont là. Et ça, c'est celui... Alors, là, il n'est pas en couleur. Hein. Je ne l'ai pas imprimé en couleur pour moi. C'est celui que l'on a commencé aujourd'hui. Donc, voilà. C'est... le Sampler Ornament Squirty, là, voilà. Donc là, il est en noir et blanc. Donc là, du coup, je vais vous expliquer un peu. On va faire une étape tous les 4 mois. Et en 4 mois, on va faire une ligne ici. Donc, on peut faire... on peut faire là, on commence où on veut. Hein. Enfin, moi, j'ai commencé en haut. Donc, on fait une ligne complète. Voilà. Donc, ce sont des cases. Les motifs font 30 sur 30. Donc, 30 sur 30, j'avais dit que ça faisait combien? Je ne sais plus. Je l'ai dit hier, je crois, dans la vidéo. Hier ou avant-hier. Alors, 30 fois 30... 900, voilà. Donc, chaque case ici, comme ça, il y a 900 points. Et comme il y a 10 cases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, 10. Donc, sur 4 mois, on a 9000 croix à faire. Ça va.
J'ai commencé aujourd'hui, les filles ont commencé aujourd'hui également. Super agréable à faire, hein, il n'y a pas de problème. Bah, du coup, je vais vous la montrer. Oh, attendez. Hop. Alors, c'est encore un sac, mais là, c'est un sac plastique. J'avais plus de sac. Pour ça, je vous dis, il faut que je trouve des sacs. Je l'ai commencé, voilà. Bon, ma toile est mise de traviole, hein. Faites pas attention. Je vais bien la remettre. Je ne sais pas pourquoi. C'est en brodant, j'ai dit mince, c'est un, comme qui dirait, un problème. Ouais, pourtant je suis droite, mais c'est la toile, elle est pas droite. Donc il faut que je la remette. Donc voilà ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc c'est le premier carré. Et du coup, j'ai fait 274 croix. Donc ça me fait 0,29%. Oui, 0,29%. Donc voilà ce que j'ai fait. Voilà. Mais bon, du coup, je vais remettre. Vous voyez, on dirait que c'est brodé de travers, mais non, c'est la toile qui est mise de travers. Il faut que je la remette. Il faut que je la remette droite. Alors, avec un petit aimant de poussière d'étoile. Voilà. Il est trop choupinou, ce petit chat. Alors, du coup, voilà. Bon, ben, j'ai retrouvé ma pochette. C'est rien. Je vais laisser les fils dedans, de toute façon. J'ai une deuxième pochette, du coup, hop. Je vais mettre les fils dedans avec. Bon, là, c'était une vieille pochette, mais je vais les mettre dedans. Voyez, hop. Et ça, c'est la réserve de fil pour broder cette broderie. Du coup, je vais tout mettre dedans. Comme ça, je ne cherche pas. Ah, quand on n'a pas de tête, hein, je vous le dis. Hein. Voilà. Alors, et ici, du coup, ben, j'avais commencé à préparer aussi, mais la toile, elle est là, je crois. Oui. La toile est ici. Bah, du coup, j'avais commencé à préparer des fils aussi, mais non, c'est prêt. Juste que je repointe pour voir si j'ai tous mes fils ou pas. Ah, mais je sais pas ce que j'ai fait, hein. J'ai pas pensé à ce sac-là. Je sais pas pourquoi j'étais le mettre dans le sac des estampés. Vous voyez, hop, il y a les fils. Alors, du coup, je vais mettre ces trois-là aussi. Voilà. Ah bah justement, il n'y avait pas le violet. Ouais, donc je repointerai. J'ai mis ma petite tablette, mon petit trifil. Et là, alors c'est pareil, c'est imprimé en noir et blanc. C'est pour faire le Halloween Quaker. Bon, du coup, je voulais vous en reparler en fin de présentation de broderie. Et donc ça, je vais le faire exceptionnellement sur une toile de lin. C'est une toile de lin. Alors, ça fait longtemps que j'ai brodé sur du lin, mais bon. C'est une toile de lin 16 fils Newcastle Zegart Vintage Marron. Voilà. Elle est très très jolie. Alors, elle est un peu plus foncée que ce que vous voyez, hein. Je sais pas si. Donc voilà, bon, ben, j'ai retrouvé mes pochettes. Alors là, par contre, pour celui-là, il faut que je cherche un tambour où je me reprenne encore un Quisnap ou je sais pas. Bon, celui-là, on commence bientôt, mais j'ai pas la date exacte. Voilà. Et dès qu'on commence, je vous en parlerai. Bon, ben, attendez, cela, je les laisse là, je les rangerai après. Bah, du coup, ça, je vous en ai parlé. Voilà, ça y est. Je repars sur mes estampés.
Alors, j'étais en train de chercher le cheval. Il est... Non, ça c'est pas le cheval. Bon. Ah, il est là, mon cheval. Voilà. Ah ben, j'ai un... Ah ben, j'ai un... C'est pas un grand, mais ça ira. Bon. Ça ronfle. voilà, et ça. Hop. Alors, mon cheval. Alors, les estampés, franchement, à part la fleur, j'ai travaillé un petit peu dessus, mais j'ai pas eu le temps de travailler sur mes estampés cette semaine. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà mon cheval. Il est très beau. J'aime beaucoup, beaucoup. J'ai du mal avec les estampés pour le rendu. Mais là, le cheval, je trouve qu'il est vraiment tip-top. Il est vraiment beau. Donc, bah là, j'ai pas travaillé dessus cette semaine. Ça arrive, hein. Hop, 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 hop. Oh, par contre, elle commence à salir la toile. Elle va prendre, quand il va être fini, il va prendre un de ses bains avec du savon, un petit peu de lessive, vous savez. Voilà. Bon, celui-là n'était pas prévu, mais j'ai pas avancé dessus non plus. Mais c'est pour vous montrer. Voilà. Donc celui-là, il est encore. J'ai pas avancé non plus, mais c'était pas prévu hein, cette semaine. Et je le remontre pour ceux qui n'auraient pas encore vu mes broderies estampées. Donc là, c'est les seules sur lesquelles je travaille pour le moment. En plus de... Alors, attendez, je les remets. Du coup, maintenant, je remets au fur et à mesure pour pas qu'elle cherche. Voilà. Ma fleur. Alors, je pensais réussir à la finir ce mois, enfin, maintenant on est en juin, mais la finir avant la fin mai. Je n'ai pas réussi. Bon, il n'y a plus énorme à faire dessus. Hein, bon, alors, il n'y a plus beaucoup. Et après, il y aura le point arrière, mais ça ira. Voilà. Alors, il reste tout ce qui est bleu foncé, là, voyez, donc c'est du blanc, et le bleu ciel, voilà, il reste le bleu foncé, le bleu ciel à broder, puis là, un petit peu ici en bas, des demi-croix ici, un petit peu en bas, et faire le point arrière. Ben, je pensais vraiment terminer, mais bon, j'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps, voilà. Là, ça donne pas grand-chose, je trouve, mais avec le point arrière, ça va faire tout ressortir. Donc là, bon, je pense que pour dimanche, je vous le montrerai terminé, j'espère, à moins d'un empêchement de dernière minute, mais normalement, ça devrait aller. Alors, mes estampés, c'est dans ce sac-là. Hop. Et... Le sac Betty Boop, c'est un sac que j'ai cousu moi-même il y a quelque temps. Faudrait que je refais des sacs, enfin des pochettes. J'aimerais bien faire des pochettes aussi pour mes tricots ou je sais pas. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas le temps. Allez, on va faire un tirage au sort avec la roue. Oula, pardon. Un tirage au sort avec la roue. Pour les HAED. Alors, les HAED, les HAED, pardon, excusez-moi, les estampés. Voilà. Donc, il y a le cheval, le cerf et la dame de Noël. La fleur, je ne la mets pas dedans puisque je la fais automatiquement chaque mois. Comme je vous ai dit, quand j'aurai terminé celle-là, il ne restera plus que deux à faire. Donc, encore une affaire de fête. Allez.
C'est parti, mon kiki. Bah, le cerf. Le cerf, je le note. Et un deuxième. Oui, la dame de Noël. Super. Bon, j'avais pas beaucoup de choix, hein, une chose sur trois, mais la dame de Noël. Voilà. On a terminé pour les points comptés, les estampés. Il nous reste maintenant un tirage au sort à faire. Alors attendez. Je n'ai pas marqué. Ouais. Alors, les salles. On n'a pas tiré au sort les salles. Alors, dans les salles, il y a Alice au Pays des Merveilles, les ours de Noël, le salle mystère, le salle du Nouvel An, le colibri et le salle de Julia Holforest. On va en tirer deux. Le Nouvel An. Alors. Nouvel An. Voilà. Et un deuxième. Et je vous dis, si je sais en faire plus, j'en fais plus, hein. Ah ben, les ours de Noël. Voilà. Et les nounours. Voilà. Hop. Maintenant. Non, là, c'est quoi? Ça, c'est le projet. Bah, je vais vous le montrer après, mais vous le connaissez déjà, hein, je vous l'ai montré. Alors, maintenant, les grandes broderies. Oh, yes. Alors là, les grandes broderies, il y a trois sacs comme ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ils doivent se dire, mais... Elle est folle. Non, non, ça va. Ça va, ça va. Allez. Bon. Dans ce sac-là, j'ai que celle-là à vous montrer. J'ai pas avancé beaucoup, j'ai juste fait ma fenêtre de la semaine. C'est la maison météo, voilà. Donc, j'ai juste fait ma fenêtre de cette semaine. Vous voyez, il n'y a pas encore beaucoup de chaleur. Hein. Il tristounet, hein, cette année, notre broderie météo. Elle est tristounette. Il serait temps qu'il y ait un peu plus de jaune, de orange, de rouge. Mais là, c'est vrai que c'est assez tristouné. Mais bon, on n'y peut rien. C'est comme ça.
Alors, regarde sur mon carnet. Qu'est-ce que j'ai fait en grand? Elle est où celle-là? Ah oui, c'est un autre sac, j'ai oublié. Enfin, j'ai le sac, mais j'aurais dû vous les montrer avant. C'est ce que je vais faire. Je vais vous les montrer. Hop. Voilà. Alors ça, à la base, c'était mon sac Stitch Mania. Donc là, bon, elles vont rester là-dedans, hein, les broderies, puisque c'est aussi pratique. Alors, j'ai avancé un petit peu, c'est-à-dire que j'ai fait plus ou moins 250 croix de mon Lucas, l'aquarium. Voilà. Alors, je suis en train de travailler ce poisson ici. Voilà, je suis là. C'est le début, hein. Donc, c'est le tout début. Voilà. Donc, on commence à deviner que c'est un poisson. Mais bon, très agréable à faire. Bon, là, c'est sur une toile Aïda, une 14, non, une 16CT. Alors, attendez, je ne sais plus. Ouais, c'est une 16CT. Voilà. Ouais, si elle est agréable à faire. Les couleurs sont jolies. Je crois que ça va rendre très, très bien. Elle est très, très belle. Alors, celle-là, moi ouais, j'ai dit alors, attendez, c'est parce qu'on me pose une question en même temps. Voilà. Excusez-moi. Ouais, donc je l'ai avancé un petit peu, mais j'avais du mal à lâcher l'aiguille tout à l'heure. J'étais vraiment bien dedans. Puis après, bon, l'heure, elle a tourné. J'avais des choses à faire. Mais vraiment très agréable à faire. Alors, celle-ci, c'est pareil. Je le fais en format papier. Donc j'ai imprimé. Alors par contre, je vais faire un truc. Donc les plaquettes de fil, c'est comme ça. Voilà. Je sais pas si j'ai pas envie de les mettre sur des trifiles. Mais bon, je verrai bien. Je verrai. Oui, donc je vous disais, là, je le fais en format papier. Du coup, pareil, j'ai imprimé, puisque je veux garder les grilles intactes. Donc, j'ai imprimé, voilà, et je griffonne. Alors ici, il est vraiment super bien imprimé, regardez-moi ça. Les trucs sont vraiment très, très grands. C'est vraiment agréable. Pour lire la grille, j'ai aucun problème là. C'est vraiment tout top. Donc voilà. Voilà. Ensuite,
Est-ce que je l'ai avancé celui-là? Je crois pas. Tic 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 tic. Non, je l'ai pas avancé, mais je vous le montre quand même pour ceux qui ne l'auraient pas vu avant. C'est mon Caroline Manning. Donc c'est celui-là. Voilà. Garden Gift. Pareil, très agréable à faire. Voilà où j'en suis. Bon, ça n'a pas avancé énorme, hein, mais voilà. Là où j'en suis. Je le brode sur une Aïda 8. Voilà. Alors, ça va être une couverture totale. Au début, quand je l'ai acheté, je ne pensais pas. Je m'étais dit, non, ce n'est pas du total, mais si, c'est une couverture totale. Et tout le blanc là qui est, que l'on voit se brode, et c'est pas du blanc, c'est du 38-65, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est le 38-65. Mais bon, non, très agréable à faire aussi. Et puis voilà. Donc celui-là, ben, il avancera petit à petit. Ça, c'est fait. Ça, non. Alors, voilà celui que je vais faire en duo avec Amélie. Mais moi, je l'avais déjà commencé. Donc, pour l'instant, je le stoppe. Voilà où j'étais arrivée moi, et on va faire donc celle-ci, Demeure de charme. Voilà, donc c'est une création de poussière d'étoiles de Sabine. Donc là pour l'instant j'ai stoppé et je vais attendre sagement que Amélie me donne le feu vert, qu'elle est ok pour tout, pour qu'on continue. Enfin, je vais la laisser avancer un petit peu et puis on reprendra ensemble ensuite. Bon, là, il faut que je lui mette une pochette plus grande. Ça, non, du coup, je ne l'ai pas fait. Ça non plus. Ça non plus. Et ça, c'est quoi? Il y en a toi. C'est quoi ça? Ah oui, c'est mon fox, mon petit renette. Donc c'est celui-là, et je Cottage Garden, voilà le nom que je cherchais tout à l'heure. Donc lui, j'ai pas travaillé dessus cette semaine, mais c'est pas grave. Je vous montre où j'en étais arrivée pour ceux qui ne l'avaient pas vu la fois d'avant. Voilà. Donc, j'ai fait sur une toile étamine 12.6 fils vintage gris. Voilà. C'est une... alors, celle-là, c'est une quoi? Une Zegart. Une Zegart, mais je ne sais plus comment. Je crois que je regarde. Je vous le redirai la prochaine fois. Alors là, idem, hein, j'ai imprimé le patron. Voilà, donc là, le patron, c'est une feuille à 4. Je l'ai imprimé pour le griffonner, parce que il n'est pas sur Pattern Keeper. Je pourrais, hein, le mettre sur Pattern Keeper, je n'ai pas encore essayé. Il faut prendre la photo de ça, enfin le scanner, et après vous le rentrez dans Pattern Keeper. Mais je ne l'ai pas encore fait, j'ai pas encore essayé, donc bon, ce sera pour une prochaine broderie. Voilà. De toute façon, une fois que le renard sera fait, après ça va aller beaucoup plus vite, hein, vous voyez, c'est tout des petits motifs partiels. Voilà. Voilà.
Donc voilà. Donc tout ça, ça faisait partie du Stitch Mania. Mais maintenant, c'est réintégré dans les broderies normales. Hein, de comment comment je lisais? Oui, dans les points comptés, voilà. Chercher. Alors, on va remettre tout ça là-dedans. Alors là, il me reste des choses que je n'ai pas commencé, comme le lit-point, les cookies. Bon, je commencerai un petit peu plus tard. Mais j'ai mes chaud et j'ai toujours ma broderie traditionnelle à faire, que je n'ai pas encore faite. C'était prévu dans le Stitch Mania, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Alors, hop. Alors, je vous demande, parce que chez en haut, j'ai une vieille malle en genre de paille ou je sais pas quoi. Et je me demande si je vais. Oh, ben alors, on touche. Descendre cette malle pour y mettre tous mes points comptés que je suis en train de faire pour avoir moins de sacs. Faut que je réfléchisse. Faut d'abord que je trouve aussi où mettre ah ben j'ai oublié de ranger ça où mettre cette malle, voilà. La maison est pas extensible en bas. Des fois, Chouchou me dit on peut pas pousser les murs hein, avec tous tes babioles, là, tes bricoles, tes broderies. Tes... C'est dans la semaine. C'est vrai, j'avais pas eu le courage. J'avais tout mis un peu en vrac dans un coin, mes broderies, tout ça. J'avais sorti les boîtes de fil. Et tout était en vrac dans un coin. Il me fait, t'as descendu ton atelier en bas, ça y est, c'est fini en haut. J'ai déjà en haut, il n'y a pour ainsi dire plus rien, par ma laine, et quelques petites choses encore. J'ai dit, non, non, c'est juste mes broderies. Hein? Donc, il faut que j'aille ranger par là. J'ai un tout petit meuble là. Bah, du coup, il est vide parce que j'avais tout enlevé. Je vais remettre des choses dedans. Il faut que je range un peu mieux. Parce que c'est vrai, en plus, c'est la pièce. Bon, nous, on n'a personne qui vient à la maison, hein, par mon fils, ma belle-fille, voilà, mes petits-enfants. Et encore, c'est vraiment une fois de temps en temps. On n'est pas genre d'être toujours à la maison de l'un l'autre. Hein. Nous, on n'est pas du tout comme ça. On y va vraiment si on a besoin, mais ils viennent vraiment s'ils ont besoin. Donc, c'est la pièce d'entrée, mais c'est vrai que si quelqu'un viendrait, il se dirait, mais c'est quoi ça? C'est la succursale DMC. Ah, je me disais qu'ils n'avaient pas encore demandé. Alors, je vous fais une petite pause tout de suite, mais nous, on se retrouve dans un dixième de seconde, tout de suite, et eux, ils vont faire leur petit pipi, voilà. Allez, à tout de suite. Voyez, ça a été vite. Alors, en broderie, il me reste à vous montrer les grands. Donc, HAED. Excusez-moi. HAED et aussi le sampler que j'ai fait en duo avec Sonia. Je sais plus si Sonia m'a envoyé sa photo. Je regarde. Est-ce que ma Sonia m'a envoyé sa photo? J'y suis pas sûre. Ah. Alors.
Allez, oh là là. Non, j'ai pas sa photo. Bon, ben je lui demanderai. Je lui demanderai pour. Et puis si je l'ai eu, je vous la mettrai en incrustation sur la vidéo. Voilà, alors moi, voilà où j'en suis. Alors, le premier motif du milieu, donc est pour ainsi dire terminé. Là, je suis en train de faire le tour. Donc là, c'est avec c'est des fils étoiles, hein, tous. Ici, c'est le 883. Et là, le 995, si je ne me trompe pas. Ah, je ne l'ai pas sous la main. Mais normalement, ça doit être ça. Et j'ai décidé. Vous voyez, ça tient pas, ces conneries-là. Oh, ça m'énerve. Voilà. Et j'ai décidé le tour ici, puisqu'il va y avoir un double tour. Je l'ai fait avec les deux fils. J'ai mélangé les deux couleurs. Voilà. Là, c'est le bleu turquoise, le bleu marine, et ici, les deux couleurs. Justement, j'ai demandé la photo, mais elle me disait qu'elle n'avait pas eu le temps cette semaine de broder dessus. C'est pas très grave. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez que ça brille, mais bon, en le retour, c'est compliqué. Mais voilà. Donc ça, c'est fait. Et j'ai fait. J'ai fait où? Ah, voilà. J'ai fait 250 croix, tout rond. Je suis à 2,32%. Voilà. Bon, c'est le tout début, hein. C'est la tout début. Ensuite, j'ai fait. J'ai fait. Voilà, celle-ci. Alors, je n'ai pas touché à la japonaise. Là, j'ai plus le temps de la toucher, de la faire. Mais j'ai bien avancé sur mon paysage. Voilà. Bon, là, il me manque deux petits points, mais c'est parce qu'il fallait faire un fil. Et puis, bon, j'ai dit, je tirerai mon fil après, je le ferai après. Voilà. Mais je l'aime toujours autant. Je suis vraiment super contente de l'avoir repris, cette broderie. Comment? J'ai commencé l'année dernière. Ouais, j'ai commencé l'année dernière, je ne sais plus à quel moment. Mais je l'avais abandonné. Je l'avais abandonné. Puis j'ai eu envie de la reprendre. Et là, maintenant, je suis vraiment à fond dedans. J'aime beaucoup. Et j'ai hâte d'avancer. Ben là, c'est un HAED. Hein, donc, ça va être beaucoup plus long pour que. Ben pour voir les avancées. Hein, voilà. Mais c'est tip, tip, top. Quand j'aurai fini le ciel, là, après ça va aller. Enfin, ça va aller. On ne sera pas plus vite, mais je veux dire, on va voir plus les motifs. Ce sera moins monotone. Voilà, je cherchais mes mots, excusez-moi. Il est 11 h du soir, les mots ont du mal à venir.
Voilà, en HAED, c'est le seul sur lequel j'ai travaillé cette semaine. Je n'ai pas travaillé sur ma Steampunk. Bon, c'est pas un HAED, mais je vous l'ai dit, hein, je la considère comme un HAED. Je n'ai pas travaillé sur ma Steampunk et je n'ai pas travaillé sur ma japonaise. Mais cette semaine, je devrais corriger ça. Voilà. La japonaise, d'ailleurs, si vous, pour ceux qui connaissent, non, ça c'est la Steampunk. Voilà. Et la Steampunk, bon, on en est au tout début, hein, mais voilà où j'en suis. Allez, que la terre est basse. Oh hop. Allez, rentre dedans. Voilà. Et on va remettre son petit simpleur. Trop joli. Il est trop joli aussi. Bon, vous savez quoi? Je remettrai après. voilà. Alors, ça tombera pas plus bas. Et voilà. Donc, pour terminer en broderie, il reste deux projets qui ne sont pas encore commencés, mais un qui commence cette semaine. Hein, j'aurais dû commencer aujourd'hui, mais bon, j'ai les journées ne sont pas à rallonge non plus. Hein. Hop! Je vous avais vu la vidéo de préparation de toile. Voilà. Donc, c'est un Vichy gris. Voilà, ça va me changer. C'est une étamine, hein, 12,6 quand même. Mais c'est un Vichy gris. Et c'est pour faire donc ma ronron-thérapie. Voilà, que je fais en duo avec Céline. Donc, je crois que ça va être tip-top là-dessus. Ça va être très joli. Donc ça bah, je vais peut-être la commencer demain, là, dimanche. Je vais voir. Donc, on a choisi de faire 4 cases par semaine. C'est largement facile à faire, hein, de toute façon, en plus. C'est beaucoup du texte pour le mien. Voilà. Celui de Céline, c'est pareil, hein. Il y a beaucoup de texte aussi. Donc, ça va aller très très bien à faire. Voilà. Donc, je vais commencer par le milieu. Donc, ici quelque part, là, le milieu. Voilà. Donc, ça, bah, vous verrez le début bah, la semaine prochaine. Je vous montrerai ce que j'ai pu faire. Et dernier, alors celui-là, je ne sais pas si je le commence cette semaine ou la semaine prochaine, je verrai. Mais vous saviez que j'avais reçu deux bobines de fil comme ça. Ce sont les fils Valdani. J'en avais eu que deux quand j'ai commandé quand j'ai acheté ma toile. Ma grille, je vais vous la remontrer. Et j'ai eu, donc c'est la semaine dernière, ouais, ou dans la semaine, Noémie de la boutique de Mère en Fille m'a envoyé, enfin j'ai acheté bien sûr, m'a envoyé le lot de fil dont j'ai besoin pour faire ma broderie. Voilà. Et c'est pour faire celle-ci, l'automne Quaker. Alors, c'est là. Je suis tombée en amour devant celle-là. Moi, j'adore hein, les Quakers. J'aime beaucoup ça. Et les couleurs, tout m'ont vraiment plu. Et j'avais envie d'essayer ce nouveau fil. Alors, j'ai eu Noémie entre deux. Vous voyez, c'est un petit carnet comme ça. Voilà, avec les grilles. Je ne montre pas plus près parce que bon, bah, je ne veux pas que ce soit spoilé. J'ai une montre parce que comme je ne connais pas du tout ce fil, donc je vous répète, c'est du Valdani. Voilà, je vous montre.
Et là, vous voyez, c'est bien le lot, donc, pour l'automne Quaker. Je vais expliquer. Alors, c'est un fil avec trois brins. Alors, première chose, déjà, ça se brode en croix complète, une par une. Donc, vous faites vos croix une par une. Vous ne faites pas une demi-croix jusqu'en bas et puis vous remontez pour fermer votre croix. Là, non. Hein. Il faut vraiment faire croix par croix. Et je lui avais demandé, comme il y a trois fils, comment on brode? Un fil, deux fils, trois fils. Et elle m'a dit, il faut broder en deux fils. Voilà. Donc, je vais me prendre ma longueur. Je vais retirer un fil, puisque... Parce que là, on ne brode pas non plus avec un fil plié en deux, pas du tout. Il faut broder vraiment avec deux longueurs. Voilà, si j'ai deux brins. Il faut prendre deux brins séparés, voilà, qui sont ensemble, dans le même sens. Il faut surtout faire attention de ne pas les retirer. Il faut vraiment que les fils restent bien dans le... comme vous les retirez de la bobine. Par contre, le troisième fil, du coup... Eh ben on va le mettre de côté, tout simplement, pour une autre broderie, parce que ben là, quand on, il faut vraiment travailler à chaque fois avec deux brins, deux brins, deux brins, deux brins. Donc le troisième brin, ben, vous le mettez de côté sur un trifil, par exemple, en attendant, et vous pourrez vous en servir ben, pour une autre broderie à l'occasion. C'est la seule façon de faire. Donc voilà, bon. Ça, on ne perd pas du fil, hein, puisque le troisième brin, on va le reprendre pour faire sur une autre broderie. Donc, voilà. Donc, je vous dirai ce que j'en pense, parce que ce fil-là, moi, je n'ai jamais, jamais, jamais brodé avec. Donc, voilà, je vous en parlerai. Et j'ai hâte de commencer. Donc, ce petit, il est prévu de commencer bientôt. Et donc, je vais le faire, je vous avais montré hein, la toile, voilà, c'est une toile étamine 12,6 et c'est une vintage, alors c'est une mocha celle-là, vintage mocha ou, oh, je ne sais plus, si j'y pense, de toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Celui-là, je ne l'ai pas encore rentré dans mon carnet de broderie, donc il faudra que je mette tous les renseignements. Voilà. Du coup, j'ai deux bobines en plus, mais ce n'est pas grave, ça peut me servir, ça me servira. Voilà. J'ai deux bobines en plus, mais il y en a une que j'ai... Ah si, si, elle est là. Oui, oui, non, c'est bon. Voilà, donc dès que je la commence, ben, je ferai très certainement une vidéo pour vous montrer. Donc ça, c'est prévu de la commencer rapidement. Et la dernière, c'est celle que j'ai eue en cadeau. J'aimerais bien... Bon, ça, celle-là, je ne sais pas du tout quand est-ce que je la ferai. Mais si vous vous rappelez, j'avais eu ça en cadeau. Donc j'aimerais bien me la faire un de ces jours, mais bon, pas tout de suite. Voilà, ben écoutez, niveau... Ah non, 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 j'ai encore un truc à vous dire. Longue vidéo aujourd'hui. Mon challenge, voilà. Ben écoutez, je suis super contente de mon challenge. Je vous explique pourquoi. Parce que ben, j'ai fait 4000 croix tout rond. J'ai fait 4000 croix au lieu de 3000. Donc, je suis contente de moi. J'ai bien bossé. Voilà. Il est déjà 23h. Donc, on va accélérer un tout petit peu. Voilà. Il ne me reste plus grand-chose à vous montrer. Je vais juste vous montrer mes avancées tricot. Et puis, après, on aura terminé. Allez, je fais une pause deux secondes juste pour débarrasser là, parce qu'il n'y a plus de place. Et on se retrouve tout de suite. Me revoilà. Alors, on est à 1h55 presque. Oh, oh, oh.
Alors là, elle n'est pas pliée du tout parce que j'étais, avant de filmer ma vidéo, ben, j'étais en train de la faire. Et du coup, je n'ai pas eu le temps de la replier. Je ne suis pas. Alors, je suis un tout petit peu en retard cette fois-ci dessus. Il me reste 3 jours à faire sur ma couverture météo. Voilà. Donc là, cette semaine, ben, j'ai commencé mon point de bride. Vous savez que je fais une semaine en maille serrée, une semaine en point de bride. Voilà. Donc là, il me reste 3 jours à faire. Demain, je vais faire ça rapidement. Je serai à jour. Voilà. Donc, ce n'est pas du vrai retard. La dernière fois, on avait calculé, hein, je crois que j'étais à 1,20 m. Donc, bon, il n'y a pas beaucoup plus, hein, puisque là, j'ai fait 3-4 jours. Donc, il n'y a pas beaucoup plus. Alors, par contre, ça commence à être encombrant à plier. Voilà. Ça, c'est fait, c'est bon. Couverture météo 2023, ben je ne l'ai pas sortie. Ça fait plusieurs semaines, enfin plusieurs semaines, 15 jours, 3 semaines que je ne l'ai pas sortie. Il faut que je la sorte, il faut que j'arrive à la finir. Je vais la finir, ne hein, vous inquiétez pas. Je sais que certaines d'entre vous me disaient, il faut que tu la termines. Hein. Oui, ne vous inquiétez pas, je vais la terminer. Mais bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai travaillé sur mon pull Armel. Voilà. Alors, mon pull Armel, le voici. Donc, vous voyez, ça avance bien. Là, j'ai fait. J'avais compté, mais je ne me rappelle plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, bon, 9 francs. Bon. J'avais fait 9 francs. 9 ou 10. Ouais, bon, on n'est pas un prêt. Voilà. Il me reste. Vous voyez, l'emmanchure est. Alors, attendez. Le début de l'emmanchure est ici. Il me reste. Alors, j'avais dit 52. Il doit me rester 10 cm, je crois, à faire. Et après, j'attaque les épaules. Voilà. Alors, ça, je le fais avec le fil. Enfin, c'est du 100% lyocell. Voilà, le fil eucalyptus de chez Fildart. Donc, c'est comme un ruban. Alors, vous voyez, voilà. C'est comme un ruban. Très, très agréable à broder. À broder. Ah, c'est une manie, ça. À tricoter. Je vais y arriver à le prendre. Voilà, vous voyez. C'est comme un fil tissé. Vraiment très, très agréable. Alors, Fildart n'a plus cette couleur-là. Mais ils en ont d'autres couleurs. C'est super léger. Vous voyez, en plus, c'est vraiment très très souple. Donc voilà, très agréable. Alors, j'ai toujours pas. Alors, si je suis verte, je m'étais trouvé un modèle pour me faire soit un top ou alors un tout petit pull d'été, enfin, demi-saison, avec ça. L'Esterel 3 Lurex de pingouin. J'en avais eu 10 pelotes dans un lot mystère que l'on vend chez Fildart. Mais j'ai eu 10 pelotes. J'avais trouvé un joli petit pull que j'ai d'ailleurs payé le patron sur Fildart, 1,99 €. Mais bon, du coup, je vais le garder et je me recommanderai de la laine. Mais celle-là, ils ne l'ont pas. Elle n'existe plus.
Mais pour faire ce petit pull, il me fallait 16 pelotes. J'en ai que 10. Donc ça, bah, je vais le garder, je vais faire autre chose. Voilà. De toute façon, je vais regarder sur Mamie Crochet et sur... Oh, comment elle s'appelle? Je sais plus son nom. Enfin, une autre chaîne de crochet pour trouver des petits tops pour faire avec ça. Dès qu'il y a une promo sur fil d'art, je me commanderai donc. Alors, c'est pas la lurex, hein, c'est couleur normale. Enfin, il n'y a pas de lurex dedans. Je me commanderai la quantité nécessaire pour faire le petit pull. Oui, je sais, j'ai ce qui. J'ai déjà plein de laine, hein, plein de fil, plein de coton, plein, 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 plein. Oui, mais j'ai acheté le patron du pull. Vous savez? Donc, ce serait bien que je le fais. Je vous jure, je ne recommencerai pas. Je vous jure. Eh oui, que voulez-vous? Donc celui-là, il avance bien. Hop. Et je le mets où? Je ne sais même plus où mettre mes sacs, mais... Ouh. Et j'ai avancé. Tadam, tadam. Le pull à chouchou. J'ai avancé le pull à chouchou. Oui, c'est vrai, je vous jure. Voilà, bon. Dans le sac, il est toujours chiffonné. Oui, c'est vraiment chiffonné dans le sac, mais bon. Donc voilà, j'ai avancé son pull et j'ai bien avancé. Alors, j'ai fait une, deux. Alors, attendez que je regarde. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 lignes. C'est qui la plus forte? Voilà, donc j'ai fait 20 lignes. Il me reste... alors, attendez, l'emmanchure, elle est où, là? Non, bah non, elle n'est pas là. Il me reste 4 cm pour arriver à l'emmanchure, au début de l'emmanchure. Donc, je suis contente. Ça, c'est le devant. Hein. Donc, une fois que j'arriverai à l'emmanchure, il y a encore 2, 3, 4 cm, je crois. Et je vais faire la pointe, hop, séparer, faire une épaule de chaque côté. Et voilà, ça va aller plus vite. Et là, je suis contente. J'ai fait 20 lignes. Il est tip-top. Voilà. Je suis contente de moi. J'ai bien travaillé en tricot. Bon, j'aurais pu faire mieux, hein. Je sais, j'aurais pu faire mieux. Mais j'ai bien avancé en tricot. Ben, vous savez que j'ai reçu beaucoup de laine, hein. Donc, ben, j'ai commandé beaucoup de laine. Donc, il faut quand même que j'avance et que je termine cela pour attaquer les autres pulls. Alors, lui, j'ai avancé, mais alors, très, très peu. J'avais sorti, j'ai commencé, puis j'étais occupée à faire un truc, et du coup, je ne l'ai pas repris. Lui, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 lignes. Voilà. Donc, ça, c'est mon pull fil d'art. Voilà. Donc, ça, c'est là, je suis sur le devant également. Il me reste encore 10 cm, je crois, pour les emmanchures. Voilà. Et après, j'aurai le plastron à faire. Alors, ça va être des trous-trous. Je vais essayer. Si je vois que c'est trop gavant, allez hop, jersey. Et puis en avant, guingant. Ou alors, si j'arrive pas à faire les trous-trous, parce que vous savez que c'est pas mon point préféré, les trous-trous. Faire autre peut-être un petit point de blé sur le plastron, pourquoi pas un petit point de blé. Voilà, et après ben, il y aura les manches, hein, bien sûr. Bon, le pull à chouchou, ça va, il n'y a pas de manche, c'est un débardeur, mais les
Mais là, il me restera les manches à faire. Mais bon, les manches, ça va plus vite, il y a moins. Hein. Et les manches, je tricote les deux ensemble. Voilà. Donc, ça va beaucoup plus vite. Voilà, je suis contente. Bon, je vérifie que j'ai toujours assez de laine. Parce que ce serait ballot que je tombe en panne. Là, la laine, c'est la pingouin, la Pingo First. Voilà. Et c'est la couleur lin. Ça va, elle est douce. Hein. Ouais. Elle est bien comme laine. C'est une petite laine ordinaire. Enfin, c'est un acrylique. Hein. Mais ça va, elle est bien. Et c'est la chouchou. Donc, c'est une bergère de France. C'est la Calinou. Voilà. Bah, tricot, je vous ai tout montré. Voilà. Donc, je vous dis, je vais réaccélérer. Bon, vous savez que le pull camionneur, pour l'instant, est mis de côté. Mais je le reprendrai en septembre, hein, comme je vous ai dit. De toute façon, c'est un pull d'hiver. Donc, voilà. Là, je vais redonner un bon coup de collier dans le débardeur à chouchou cette semaine pour essayer de le terminer au maximum. Et après, il y aura bon, le pull armel aussi. Le fil d'art, enfin le pingouin, pardon. Non, c'est un modèle fil d'art avec que je tricote avec du pingouin. Le fil d'art, c'est moins urgent. Parce que c'est pareil, c'est un pull d'hiver. Le pull armel, c'est un demi-saison. Et le débardeur à chouchou, ben, c'est pareil, c'est un demi-saison. Donc, il faut que je termine absolument ces deux-là. Et après, j'aurai aussi il me reste un pull en haut, le pull cache-cœur, mais bon, ça, on reverra plus tard. Parce que celui-là, j'avais un petit problème dessus, je vous en reparlerai. Je vous ai dit que je vous ferai un podcast. Tricot. Donc là, dans les jours qui viennent, je vais pas cette semaine puisque là je vous aurais parlé tricot, mais je pense que pour la semaine prochaine, j'essaie de faire le podcast tricot et je vous parlerai de tout ça. Voilà, des projets, des encours, des mis de côté. Voilà, je vous parlerai vraiment de tout. Mais écoutez, on a dépassé les 2 heures. Ben, je suis contente. Voilà. Je pense que vous aussi, vous êtes contents. Donc, bah, pour la semaine prochaine, du coup. Alors, je n'ai pas fait de tirage au sort pour les tricots. Je vous dis, de toute façon, il n'y en a que 3. Donc, je vais travailler. Je vais essayer de travailler sur les 3. Donc, niveau broderie, bah, écoutez, j'ai prévu de faire le fox. Le sampler filet toile, mes carottes, les hérons, le cerf en estampé et la dame de Noël en estampé, les salles, le nouvel an et l'ours de Noël. On n'a pas tiré au sort les achats ED, mais bon, il n'y en a que 3, donc ben, on va quand même faire un petit tirage au sort. Si je travaillais sur les 3, ce serait bien, mais bon. Oui, il y en a qui me demandent quand est-ce que je dors. Vous inquiétez pas, je dors. Oh, 23h20. Oh, j'ai battu un record aujourd'hui. Les achats des. Allez, on tourne. La japonaise. Voilà. Japonaise. HAED. Et on va en tirer un deuxième. Le paysage. Voilà. Bah écoutez, c'est pas beau tout ça? Voilà. Donc, voilà tout ce qui est prévu pour cette semaine. Si je sais faire plus, j'en ferai plus. Si je fais moins, bah, on fera moins. Hein. Normalement, cette semaine, il n'y a pas de rendez-vous nulle part. Il n'y a rien de spécial à part les courses. Donc, voilà. Bah, écoutez, sur ces belles paroles, je vais vous laisser.
Enfin, voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi et la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques à me faire, n'hésitez pas non plus. Je vous dis, tant que ça reste dans la politesse, la bienveillance et l'amitié, il n'y a aucun souci, vous pouvez me dire tout ce que vous souhaitez. Fifi vient vous dire au revoir. Elle le sait quand je dis au revoir. Hein, tu le sais quand je dis au revoir. La maman. Elle va. Non, bon. Elle veut pas. Moi, je vais vous laisser pour ce soir. Je vais vite ranger tout ça. Aller mettre mon pilou-pilou pour aller faire un gros dodo sous ma grosse couette. Parce que vu le temps, ben, la couette, elle fait du bien. Et en attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous. On arrive aux 10 minutes, ça y est, bisous.